Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Tant pis pour ceux qui ont venu mettre leurs organes. Ça nous retrouve sur Facebook et on développe. Alors, quand vous vous engagez à vous exposer sur les réseaux sociaux, soyez prêts à recevoir les coups et les vrais coups. L'histoire de Pifou et Malox ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, les gars. Ah bon? Ça devient encore plus chaud. Chégué. Ça brûle encore même très mal. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ouais, venez. Pifou hier nous a présenté sa fille. Question de nous faire comprendre qu'il n'est pas Tchelé, lui pisse. On applaudit. Bravo. On a compris. Mais, vous savez ce qui est encore inquiétant? Chaman. Est-ce que c'est un Joseph? Ou c'est Oduguena? Joseph Oduguena, Oduguena officiel. Jamais entendu. Sort de nulle part et nous fait comprendre. Malors, vous savez que Malors nous avait aussi présenté sa part de fils. Puis il y a Dieu entre les deux. Nous fait comprendre que l'enfant là, Malors que tu as présenté, tu as enceinté sa mère à l'âge de 15 ans. Elle faisait 5e au lycée de Mendon. 6 mois après, tu es entré en brousse. Oh, tu n'es pas l'auteur de la grossesse. Tu ne reconnais pas. L'enfant, la famille s'est battue. Jusqu'en 3e, après 15 ans, c'est où tu sors, tu dis que oh, c'est mon fils. Tu présentes le fils comme un trophée ou bien... En fait, c'est ce que nous lisons là. L'enfant a arrêté les classes en première. Problème ou bien défaut de pension. Donc, il n'y a pas l'argent pour inscrire l'enfant. Parce que le père n'est pas responsable. J'espère que c'est une fake news. Parce que si c'est vrai, Pifo nous a montré... Qu'il est chef d'entreprise, il gagne au minimum 1 million le mois. Hey! Il a dit qu'il gagne les millions. Hein. Bon, peut-être c'est même 5 millions le mois. Et les gens le connaissent tout simplement comme le vendeur de shawarma. Attendez, j'arrange un peu mes lunettes. Ma page, j'arrange mes lunettes. Voilà. Il dit que vous me connaissez comme vendeur de shawarma parce qu'il vient me rendre tout petit devant vous. Mais je suis un grand chef d'entreprise. Vous comprenez, ça devient... Le duel entre Malox et Pifo. Voilà les enfants du continent. Vous bagarrez même quoi. Malox vient à son tour dire que oh, j'ai recruté une jeune fille de 28 ans qui m'a supplié pour me proposer ses services. Elle est ingénieure en bâtiment. Donc c'est elle qui va coordonner les travaux dans mon nouveau chantier. Ah mon dieu. Les réseaux sociaux, non? Non, je ne sais pas si un autre pays qui utilise les réseaux sociaux comme notre continent. C'est devenu maintenant le duel. Bon, on attend. Peut-être dans les jours à venir, Pifo va aussi nous montrer sa part de maison avec piscine. Peut-être c'est un chantier. Ah! L'autre avait dit que lui, il a commencé par la piscine. Mais il ne nous a même pas encore montré l'image jusqu'à... Il nous a pas encore montré l'image jusqu'à présent. Bon, on attend. Peut-être qu'il va finir. Ça sera du venez voir. Les enfants se déchirent. Les enfants, chacun montre qu'il est grand. Que c'est lui, le modèle. C'est lui qu'on doit suivre. Et non l'autre. Nous, honnêtement, derrière, on vous admire. Vous avez beaucoup d'argent. Comment l'enfant n'a pas pardon à l'école, Tara? Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? J'espère que... Gars, il faut à nous... Tu es champion pour faire les sorties. Il faut à nous balancer un web pour dire qu'on manque, ça manque sur ton nom. Toi... Tu gères la pension de ton Mouna de From et que ton Mouna fait même niveau 3 en fait. Parce qu'on comprend là que tu as abandonné le Mouna. Joe. Puis il faut venir alors tuer en disant que je vais payer la pension du Mouna là jusqu'à ce qu'il obtienne le bac. Hey! Si tu me lis, mon petit, écris-moi, je paye ta pension. C'est ce qu'on appelle le Ndolo. Ah, c'est ce qu'on appelle quand je vois les petits goals, les malambis.
le continent ciel, les gars. C'est-à-dire que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Même si tu dis que tu veux faire la grâce matinée. Hein, papa? C'est la grâce matinale ou c'est la grâce matinée. En tout cas, dormir même jusqu'à 9h, on appelle ça court. Je ne suis pas français. Hey, laisse les gens. Donc, si tu dis que tu veux un peu bien te reposer, tang, tang, tang. C'est ton réveil qui sonne seulement. Il y a un nouveau dossier, mon frère, c'est mauvais. Ça se gâte. Les pays, les enfants du continent sont en train de se déchiqueter, se déchirer. De toutes les façons, les amis, mieux vaut la paix que la guerre. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était le général Franco. Partagez-moi la vidéo. On ne met pas les organes. Hein? Strictement interdit au cardiaque. S'abonnez-vous! Prendre soin de ses proches restés en Afrique? Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun. Et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.